Regardez-moi ça. Mais regardez, bon sang, je vous dis de regarder. Il est là. Il est beau. Il est magnifique. Regardez-le. Encore, regardez-le. Jusqu'à vous brûler les yeux. Regardez-le, je vous dis, regardez-le. Salut à tous. Du coup, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Spinosaurus, Aegypticus, etc. Dinosaure, somme toute, magnifiquement, incroyablement beau, qui a été une fois de plus modé. Et vous voyez qu'il a absolument rien à voir avec le Spino de base de Legacy, qui est, entre nous, je vous le dis, vraiment très très laid. Celui-là, par contre, il est vraiment très beau. Il se rapproche beaucoup du modèle de ce qu'il va y avoir dans Evrima. Vous pouvez regarder la vidéo, hop, on le voit. J'ai mis un petit extrait parce que je suis extrêmement gentil. Alors comme d'habitude, on est sur le serveur Primal Evolved New Time Prog. Vous savez que pour avoir tous ces modèles facilement, pour avoir tout ça facilement, vous pouvez venir dessus et vous les aurez sans aucun problème. C'est un peu l'idée. Alors on va tester un peu les cris du Spino. C'est des nouveaux cris aussi, hein, qui sont aussi modés. Cri d'appel, tranquille. Salut à tous, je suis là. Cri gentil. What the fuck, le cri énervé. Et le cri de peur, et le cri de communication. Yo. Yo. Voilà, bon, vous voyez que tout ça est vraiment très propre. Encore une fois, avec cette ambiance neige, avec les arbres morts dans le marais et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Regardez-le, comme il est beau ce Spino. Il est vraiment super bien modélisé. Bon, maintenant l'idée, c'est... On va crier un peu pour signaler notre présence. Déjà, là, cette fois-ci, début de vidéo, je me suis pas fait embrouiller direct, c'est pas mal. J'ai pu vous présenter tout ça assez rapidement, assez succinctement, assez exhaustivement aussi, quand même, dans un but de concision et de cirque. Il y a eu un cri, là. Ouais, l'objectif, c'est d'aller à partie pleine. Partie pleine, c'est le centre de la map, c'est là où il y a tout le monde. Histoire de montrer mon beau Spino aux autres et de leur dire, voilà, c'est moi le plus beau. Oh, il y a un truc là-bas. Regardez. C'est lui qui gueule. What? Et encore une fois, c'est... Ouais, c'est le principe de l'hiver, en fait. L'hiver, il n'y a pas de feuilles. Donc, pour se cacher, c'est un peu compliqué. C'est quoi? J'arrive même pas à voir ce que c'est. Je reconnais pas l'écrit. Je vous dis, j'ai mis un milliard de mods, un milliard de trucs. Je sais même pas. À mon avis, ça doit être un styraco. C'est le mode du triceratops. On va aller voir. Alors, si c'est un triceratops, évidemment, c'est très dangereux pour ma poire. Hein. Triceratops, très fort. Très, très fort. Mais là, c'est pas un triceratops, c'est un styraco. Donc, c'est juste un skin. Ça change rien. Il sera tout aussi puissant. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer, comme ça en plus je vais essayer de vous le montrer. Il est super bien fait lui aussi, le styraco. Et vous voyez, c'est ça en fait que j'aime bien. Oh merde. Je crois qu'il m'a vu, hein. Voilà. Mais il va me fracasser la gueule, il est trop puissant. Il mange. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer avant de commencer le fight. Parce qu'après, il va y avoir des écrans tout rouges et tout. Vous voyez comme il est stylé, hein. Il est magnifiquement modélisé, lui aussi. Ouais, 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 ouais. Crie, crie. Crie pendant que tu peux encore crier. Je vais te trancher la gorge. En fait, faudrait que j'essaie de le faire saigner et tout. Je peux pas aller en frontline. C'est ça, ouais. Ah, je croyais qu'il allait faire un gros cri, je croyais qu'il allait faire un gros cri, non, il a fait un petit cri, il m'a bait. Ouais, vous voyez, il est piquant lui avec sa corde là, il est tout piquant. Et du coup, il fait énormément de dégâts. Vas-y, tu fais quoi là? Il m'a mis combien de bleed? What? Mais c'est pas sérieux, 22 de bleed, wesh. 22 de bleed en deux coups, c'est un enfer. Ah, moi je l'ai fait saigner aussi. Tu saignes? Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, franchement les gars, je sais pas comment faire le styraco et... C'est un triceratops, hein. Il est beaucoup trop puissant. Je m'en rappelle, on avait affronté un triceratops avec Lee, on était deux Spino, on s'est fait déboîter tous les deux, donc bon... 1v1, là, c'est vraiment trop chaud, en fait. Wesh. Calme-toi, hein. Calme-toi. What? Aïe! Yes! Le bon Astride des familles de The Isle.
Le bon Asraï des familles, on connaît tous. Aïe. Hein, ouais, je l'ai mis en PLS. Hein. Je l'ai mis en PLS. T'es dans la sauce? Oh! J'ai réussi à le tuer! Oh mon dieu, je pensais pas. Oh, j'ai déboîté la mâchoire. J'avais dit que j'allais lui trancher la gorge. Regardez-le! Regardez-le, le bougre! Oh mon dieu. Oh, j'ai. Oh la pression, quoi. Oh la pression. Oh là là. J'ai réussi à le tuer, quoi. C'est incroyable. Et je pensais pas du tout que j'allais vraiment réussir à le tuer. Hein. Ouh! Le cri de victoire! Évidemment, le cri de victoire. Ah, j'étais pas prêt du tout à un combat comme ça. Oh, mon dieu, qu'est-ce qu'il est fort. Il m'a mis tellement dans une sauce absolue. 12 de bleed. Non, ça va en fait. Non, ouais, non, ça va. Niveau screen et tout, ça va. Mais ouais, c'est la force du Spino. Hein. Dans The Hail, il a une très très bonne rotation. Et du coup, on peut clairement, facilement Asraïd les gens. Et c'est bien pour ça qu'il est très fort, le Spino. Hein. Mais ouais, bah écoutez. Il y a eu un cri là. Non, par contre, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et il y a un T-Rex qui vient vers moi en fait. Vas-y, vas-y, frérot. Elle rend pas fou, hein. Il me conteste la carcasse. Toi, toi, il est hyper agressif. Vas-y, 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 c'est bon. Ouais, c'est à toi, c'est à toi, vas-y. C'est à toi, reste ici avec ta carcasse, rend pas fou. Vas-y, c'est incroyable ça. Aucun respect, ces T-Rex. Ils sont là, ils montent leur grosse. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, hein. Moi aussi, je sais gueuler, hein. Crois pas, hein. Vas-y, je m'arrache. Bon, bah, du coup, on va aller à partie play. Je suis en marche lente ou. Ouais. Mais vraiment, je suis ultra content d'avoir réussi à tuer ce Styracosaure. En vrai, sans grande difficulté. Hein. Bah, sans grande difficulté, oui, il m'a fait un peu souffrir. Oui, c'est vrai, un petit peu souffrir. Il m'a piqué avec ses cornes. Mais je pensais vraiment pas que j'allais réussir à le tuer. À la base, je voulais juste vous le montrer. Je voulais pas l'attaquer. Je voulais pas l'assassiner. Mais je sais pas. Il me regardait avec des yeux de vicieux. J'étais obligé. À un moment, il s'est mis comme ça au milieu de la plaine. Et pour moi, c'était un appel au meurtre. Donc, j'ai voyé, comme d'habitude. Je me casse, il fait tout nuit. On se retrouve à partie pleine. Ok, on arrive à partie pleine. Il fait beau, il fait jour. Je suis toujours un peu blessé, mais j'ai changé de skin de Spino. Regardez ça comme il est beau. Il ressemble beaucoup au skin de Pass of Titan. C'est le Spino de base. Hein. C'est le Spino scientifiquement approuvé. Le fameux Spino Aegyptacus. Voilà, qui a été découvert en Égypte. Enfin, vous connaissez. Hein. J'arrive ici. Voilà, c'est mon tartare, c'est chez moi. Même s'il n'y a pas de lac, même s'il n'y a rien. Ouais, c'est ça, crie, ouais. Crie tant que tu peux crier, jeune Uta décérébré. Je sais pas pourquoi. J'aime bien insulter les gens gratuitement. On va se mettre là-bas en mode RP. Le Spino qui vit dans l'eau, ça, il faut pas oublier. C'est totalement proportionné, c'est fait pour moi. Voilà, paf. Le trou de bol dans l'eau et on attend que ça vienne. Bon, du coup, parlons peu, parlons bien. Vous préférez quoi? Celui-là? Ou l'autre, le premier, le skin Evrima, entre guillemets, c'est pas vraiment le skin Evrima. Moi, je sais pas. Le skin Evrima, je le trouve vraiment badass. Mais celui-là, j'aime bien parce qu'il est quand même très RP, quoi. Par contre, Lutin... Fais gaffe à toi. Tu pourras pas me Asraïd. Je suis un Spino. Je suis pas un Rex. Ni un Giga. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, je sais pas si vous voyez, Luta, il a un skin un peu particulier. C'est un petit spoil. Ça sera l'histoire d'une autre vidéo. Mais c'est pas grave. J'hésitais entre vidéo Uta, vidéo Spino. Bon, j'avais mis le truc de Luta. Vous verrez dans la prochaine vidéo, qui sera pas sur Luta, parce qu'elle est déjà prévue. Ne vous inquiétez pas, tout est déjà prévu. Cette chaîne est articulée d'une façon assez extraordinaire par un youtubeur assez extraordinaire, c'est-à-dire moi-même, qui mérite 10 000 abonnés avant la fin de l'année, n'oubliez pas. C'est l'objectif, donc maintenant, c'est l'instant promo. Abonnez-vous, sinon... Sinon, je vous le dis... Abonnez-vous. Voilà, ce serait bien. 10 000 abonnés à la fin de l'année. Et je vous promets qu'un jour, j'articulerai vraiment mes phrases et mes mots. Et là, on sera dans une autre dimension. Merci à vous, c'était l'instant promo. Bisous. Ah ben voilà. Je vous l'avais dit, c'était obligé. À un moment ou à un autre, il y a toujours des gens qui passent par là. Il y a eu des cris. Il y a des cris de vaches là-bas. Cris de... C'est un Anki. C'est un Anki. Incroyable. L'Anki aussi a un remodel. Nouveau modèle. C'est l'Anki de Jurassic Park. Oh, ils se suivent à la queue le, ils sont trop mignons. Je crois qu'ils m'ont vu. Hein. Je crois clairement que je dépasse.
Ils se suivent à la queue, ils sont trop choupi. Après, l'anquille, il fait un peu mal quand même. Waouh, calme-toi. Tu vois pas que je suis tranquille? Tu fais quoi? Tu fais le tonton, genre tu protèges tes deux. L'anquille, tu vas te calmer. Alors, l'anquille est quand même très très fort. Mais il est quand même moins fort que le trac. Le styraco. On avait compris, trac, styraco. Par contre, il veut quoi cet anquille? Alors, regardez un petit peu son skin. Hein. Il veut quoi cet anquille? Il est ultra agressif, genre. C'est peut-être un peu normal. Je suis accroupi, je viens de faire un cri agressif. Voilà, tiens. Saigne. Saigne. Oh, vas-y, il va commencer à jouer sale. Tu joues sale? What? Il nous fait quoi, l'anquille? Oh, le con. Eh ouais, Bon, vas-y, je vais mettre un terme à ses souffrances, je crois. Ah ouais, il joue comme ça, ouais. Je reconnais. Ouais, il m'a mis une patate, mais il m'a pas cassé la jambe. Et ouais, ils ont oublié les développeurs. Ils ont oublié, hein. De faire en sorte que tu puisses te protéger. Bon allez, c'est bon. What? Mais il fait tellement mal. What the fuck? Oh non, il fait trop mal, oh. Bon, on va le laisser saigner tranquillement. Hein. Je sais même fou. Il me répond. Wow. Mais de toute façon, tu vas mourir de saignement, hein. Moi je bouge plus. Hein. Tu m'as fracassé la tronche, c'est bon. Hein. T'as la jambe cassée, t'es en train de te vider de ton sang, écoute. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Ouais. Ouais, tu nous fais quoi, l'anquille escaladeur? Tu as pas compris que tu t'es déjà cassé la jambe comme ça? Et voilà. Le coup fatal. Le coup final. Ouais, non, le pauvre Anki, vraiment, ils peuvent rien faire, les Anki, c'est terrible. C'est terrible, ils sont tellement... Oh, ils sont là-bas, les deux bébés. Vous êtes sans protection, maintenant. Livré à vous-même. Bon, du coup, la petite présentation des Spinos, disponible sur le serveur Primal Evolved, disponible sur le Discord, ils sont tous accessibles. Donc, si vous voulez vous faire un kiff, allez-y. Si vous comprenez pas, il y a des gens qui seront là pour vous expliquer comment on fait. Donc, si vous avez kiffé, évidemment, le meilleur des soutiens, c'est un petit pouce bleu, un abonnement, comme je l'ai dit. On tente d'atteindre les 10 000 abonnés. Mais vraiment, pour ça, tout repose sur vous. Et vous commencez à connaître la chanson, tout ce qui me reste à dire, vous savez très bien. Ciao tout le monde.